La réponse à 5 points. Donne la réponse. Ta réponse c'est quoi? Le cahier spécial. Le cahier spécial. Bonne réponse. Faux. Mauvaise réponse. Allez. Dénommé le Ntakamo, ce jeu de lecture vise à respecter les règles de communication et d'éloquence. Un jeu faisant parfois partie des activités culturelles et théâtrales, des cérémonies d'émulation, comme ici au complexe scolaire privé Salem. L'école affiche un taux d'admission de 88,66%, en rendement à la base de la gratification des meilleurs élèves, mais aussi des parents d'élèves. L'ambiance est au rendez-vous. Donc pour moi, c'est un sentiment de joie et de fierté. De joie, pourquoi? Parce que il était quand même temps de primer, de congratuler ces apprenants qui se sont distingués par leur travail après les 9 mois de dur labeur. L'école Salem a fait son devoir de lieu utile à l'agréable et avec le peu que nous en avions, dans la mesure du possible, il était quand même question de bonne loi, de porter un peu plus à ces enfants-là pour leur progrès, leur épanouissement social et mental. Un sentiment de joie pour ses parents d'élèves. Je suis très satisfaite, d'abord pour la réussite de la cérémonie, ainsi que l'organisation, tout a été bien fait. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est que c'est d'abord l'encouragement de l'école pour les élèves et envers les parents. Les enfants ne nous ont pas déçus. Et ceci montre le travail que nous avons fait à la maison d'abord avec les enfants parce que l'école, ce n'est pas seulement le travail des enseignants, mais les parents relaient le travail des enseignants à la maison en encadrant aussi nos enfants à la maison. Alors, ce n'est que le résultat du travail abattu par nous les parents et par nos enfants. Voilà pourquoi nous avons obtenu ces résultats satisfaisants. Je ne peux que qu'encourager l'école Salem, son promoteur et tous ses enseignants pour le travail effectué cette année, à continuer à faire davantage l'année prochaine pour une bonne formation. Chavrac a souligné l'importance de l'éducation des jeunes à un moment où la couche juvénile plonge dans la violence et dans bien d'autres vices. Chers parents, le fait de nous soutenir financièrement ne suffit pas et ne garantit pas notre lendemain. Pour preuve, l'enfant dont les parents lui offrent tout ce qu'il demande ou tout ce qu'il veut, grandira avec l'idée que la vie est facile et qu'il a le pouvoir de tout avoir. Je me fais le devoir de vous inviter à nous soutenir non seulement matériellement, mais aussi et surtout moralement. Vous nous envoyez à l'école parce que vous savez plus que nous que le chemin de l'école, c'est le chemin de la vie, de la réussite sociale et mentale. Et à nous les élèves, je nous exhorte à aller à l'école par vocation et non par convocation. Car faire les études, c'est manifester son amour pour que demain soit bien meilleur qu'aujourd'hui. C'est une façon de rappeler les élèves qu'en Afrique, la richesse en enfants est préférable à la richesse en argent. Les enfants sont par conséquent un investissement pour les parents. Le complexe scolaire privé Salem a fait de l'éducation son cheval de bataille. Après 6 ans d'existence, il entend créer un lycée technique dès la rentrée scolaire prochaine.